Je voudrais tout d'abord, au nom d'ONU Habitat et du projet Sanita Ville Durable, vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à cet atelier de consultation des acteurs. Consultation d'abord sur le diagnostic macroéconomique et territorial de la République de Guinée, dont nous vous ferons aujourd'hui une première restitution analytique. Et consultation également sur la définition initiale des orientations pour l'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire, qui, comme vous le savez, date depuis plus de 30 ans et qui est aussi un chantier important qui est inscrit au programme intérimaire de la transition. Vous vous en souviendrez, en 1991, la Guinée s'est dotée d'un outil de maîtrise de la croissance urbaine rapide, à savoir le schéma national d'aménagement du territoire, dont la finalité générale consistait à modifier et optimiser la répartition des individus et de leurs activités sur le territoire national dans un souci d'équilibre géographique, d'épanouissement social, d'efficacité économique et environnementale, je cite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment va-t-on ensemble de l'avant pour répondre aux défis d'aujourd'hui, mais également de demain ? Donc l'activité de ces deux jours ensemble, elle se situe dans le sillon de la relance de la planification territoriale portée à travers le projet Sanita Ville Durable, un projet qui, comme vous le savez, est mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, à travers sa direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, avec ONU Habitat, grâce à l'engagement au financement et à la confiance de l'Union européenne. Permettez-moi à ce titre de vous transmettre les salutations et les bons voeux de la délégation de l'Union européenne, qui ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui en raison d'autres contraintes, et que je remercie au passage une fois encore pour leur appui. Sachez qu'elle veille de façon bienveillante et prospective à ce qu'ensemble nous puissions produire pendant ces deux jours des résultats prometteurs sur la voie à suivre pour l'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire. Permettez-moi également de remercier vivement tous les cadres de l'habitat qui ont travaillé d'arrache-pied pour collecter sur le terrain un éventail d'environ 220 fonctions dans plus de 370 sous-préfectures. Et c'est sur la base de leur travail de terrain et de proximité que nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter le projet de diagnostic macroéconomique et territorial de la République de Guinée. Ce diagnostic, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'une radiographie actuelle de la situation macroéconomique et des déséquilibres territoriaux à l'échelle nationale. Quels services et quelles fonctions essentielles ou centraux sont accessibles, disponibles et où ou pas ? Quelles sont les zones desservies ? Quelles sont les zones non desservies ? Quelles sont les opportunités de développement qu'on peut identifier ? Quelles sont les lacunes qu'on peut corriger ? Au niveau national, au niveau régional ou au niveau local. Autant de questions que nous examinerons ensemble pendant ces deux jours. Le diagnostic sera également la porte d'entrée pour dégager les nouvelles orientations stratégiques qui serviront à informer le nouveau schéma national d'aménagement du territoire. C'est pour ça, sur cette base et avec en ligne de mire de vraiment aboutir à un développement qui soit harmonieux, et équilibré au niveau national, la seconde partie de notre réflexion collective se portera sur les orientations qui guideront le développement d'un livre blanc consensuel et orientatif pour le nouveau schéma national d'aménagement du territoire, qui devra être un document d'envergure qui orientera l'action du gouvernement pour les 10 ou 15 prochaines années, voire au-delà. Tout cela en deux jours. En tout cas, vos contributions, elles seront absolument essentielles pour refléter les analyses, avis et prospectives de vos départements et aussi intérêts respectifs. En cela, nous vous remercions vivement et comptons sur vous tous. Donc, pour ce faire, vous serez dans les mains conductrices et facilitatrices de l'équipe de la DATU et d'ONU Habitat, notamment à travers Catherine Calissa et son équipe, et de Mathias Paliviero, notre responsable du portefeuille d'ONU Habitat en Afrique de l'Ouest, qui est par ailleurs l'initiateur et le développeur de la matrice des fonctions, la pierre angulaire méthodologique qui a été utilisée pour le développement du diagnostic macroéconomique et territorial ici en Guinée, et qui pourra nous apporter des leviers de perspective pour une analyse plus fine du territoire et ses points d'entrée de développement stratégique
au niveau territorial, économique, social et environnemental. Nous tenons à vous remercier une fois de plus et vous réitérer l'engagement du gouvernement de participer à ce projet. Encore une fois de plus, merci beaucoup et nous vous souhaitons deux bonnes journées de travail. Et au nom du chef d'État, au nom du chef du gouvernement, nos partenariats gagnant-gagnant continueront dans l'avenir. Je vous remercie. Cette composante 3 est axée sur l'examen participatif de la mise en œuvre du schéma national de l'aménagement du territoire SNAT de 1991, la définition et la validation des nouvelles orientations stratégiques livre blanc sur la base desquelles le nouveau schéma national sera élaboré. La mise en œuvre de cette composante a abouti à l'élaboration des rapports reprenant les résultats des analyses des secteurs de développement en 1991, décrivant le scénario de développement retenu par le gouvernement, l'état de la mise en œuvre des mesures et des projets proposés en vue de développer ces choix et intégrant les diverses mutations nationales et internationales survenues depuis son adoption. Cette évaluation a été réalisée à travers la revue de la documentation existante et des vastes consultations des différentes parties prenantes à travers le territoire, ce qui a permis d'élaborer le rapport de l'examen participatif de SNAT 1991, résultat 3, amendé par les services techniques des départements sectoriels concernés et les directions régionales. C'est dans cet élan et dans le même objectif de dégager les nouvelles orientations stratégiques, le livre blanc, qui serviront à informer le nouveau schéma national d'aménagement du territoire, la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'ATI et ONI Habitat ont initié une nouvelle étape qui consiste à élaborer un diagnostic macroéconomique territorial et stratégique synthétique du territoire national afin d'avoir une image du territoire national guinéen aujourd'hui. D'où l'organisation de cet atelier de consultation des acteurs pour la vision du prochain SNAT. L'objectif de cet atelier et qui réunit les institutions républicaines et les départements sectoriels, ainsi que nos collègues d'inspections régionales de l'urbanisme de l'habitat et l'aménagement du territoire, ainsi que les directions communales de l'urbanisme de l'habitat et du territoire. Et les objectifs visés pour cette année sont les suivants: présenter la mission de l'élaboration du diagnostic macroéconomique et territorial, introduire la méthodologie de la matrice des fonctions, son principe, sa méthodologie, ses objectifs et atouts en appui à la phase d'analyse et diagnostic macroéconomique du territoire guinéen. Présenter le rapport d'analyse du territoire sur base de l'interprétation des résultats de la matrice des fonctions, dont les produits cartographiques connexes et les principales recommandations. Valider le rapport de la matrice des fonctions, identifier les principales activités et potentialités économiques dans les différentes régions et préfectures. Échanger sur la vision du nouveau SNAT en termes de projection pour les 10 à 15 ans, 15 prochaines années. Mesdames et messieurs, permettez-moi une fois de plus de remercier à nos partenaires techniques et financiers ONI Habitat et à l'ensemble des cadres ici présents ayant honoré leur présence à cette rencontre. Sur ces mots, au nom de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, je déclare ouvert l'atelier de consultation avec les acteurs pour la vision du prochain SNAT. Je vous remercie. C'est bon.